Oh non, mon vieux. Allez, je te permets pas de canner aussi vite. On a à peine commencé. Allez! On se réveille, j'ai dit. Allez! Coucou mon pote! Bien dormi? T'as méchamment bu la tasse, dis? Eh, faut faire attention quand on se noie, c'est dangereux, tu sais. Je suis vraiment désolé, Virgile, je te promets que c'était juste une mauvaise blague. Je t'en supplie, arrête ça. Et détache-moi, j'en parlerai à personne, je te jure solennellement. Tu n'en parleras à personne? Pourquoi est-ce que tu parles comme si t'en aurais l'occasion? Tu crois que t'es un bon samaritain qui va généreusement m'épargner? Pour qui tu te prends? T'es pas en train de parler à une des jeunes clientes de ton père à qui tu peux imposer des choses pour assurer un contrat là? T'es vraiment un sous-être insupportable. Tu vois comme je perds mon calme à cause de toi? Si t'as mal, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as énervé et qui me fait faire ça. Écoute-moi bien. Je ne te permets pas de parler comme si t'étais le chef ici. C'est moi qui dis comment ça se passe. C'est moi qui contrôle tout. Et c'est toi, le petit soumis. Tu sais quelle est la vraie raison pour laquelle tu n'en parleras à personne? C'est parce que tu ne parleras plus à personne tout court. Ça fait tout drôle de se noyer, pas vrai? Je parie que t'as jamais eu autant le sentiment d'être en vie maintenant. Je parie que tu meurs d'envie de savoir comment j'ai fait. Parce que t'étais terriblement inquiet pour moi de ce que j'ai entendu. Pas vrai? Oh, pauvre chou. Je vais t'expliquer. Quand je suis tombé. Oh non, attends, c'est pas ça. Non, c'est pas correct, c'est. Oui, quand tu m'as balancé du bateau. C'est plus exact comme ça, ouais. Heureusement, tu t'es empressé d'aller prévenir quelqu'un en comprenant ta bêtise et en me voyant dériver dans une énorme vague. Oh non, attends! C'est pas vrai ça non plus. T'as fait quoi à ce moment-là? T'étais à deux doigts de siffloter comme un personnage de dessin animé cliché? Et tu me dis que t'es désolé? Mais j'ai même pas eu besoin d'attendre qu'on me le dise pour comprendre, vu que le paquebot a continué de filer tout droit sans s'arrêter. Cette vague m'a emporté tellement violemment et profondément sous l'eau que je savais même plus où était le haut et le bas. C'était déjà un miracle que j'ai réussi à remonter. Et pendant ce temps-là, vous étiez déjà beaucoup trop éloigné pour m'entendre crier. J'ai essayé de poursuivre ce bateau à la nage comme un imbécile. Mais, petite devinette, qui est le plus rapide d'entre moi et le bateau? T'es pas très bavard aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Tu veux en parler? Hein? Non? Très bien. Alors, je continue si ça te dérange pas trop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai essayé d'aller en sens inverse à la trajectoire que vous suiviez. Au moins, je savais à peu près quelle direction prendre pour rentrer. Et puis bon, qu'est-ce que c'est 50 km à la nage dans une mer glaciale qui te pénètre les os, hein? C'est sacrément con un homme qui essaie de survivre, hein? Mais l'avantage, tu sais ce que c'est? C'est que c'est sacrément déterminé, surtout au début. L'adrénaline, tu connais ça? Tu dis qu'avec ça, t'es invincible, que tu peux tout surmonter. L'instinct de survie, c'est très fort comme mécanisme. Tu ferais n'importe quoi pour sauver ta peau. Le problème, c'est que la réalité, elle en a rien à foutre de ce que tu crois. T'as déjà eu froid? Mais est-ce que t'as déjà eu froid pendant plusieurs heures sous l'eau? Je te garantis que ça a rien à voir. Rien à voir. Parce que là, t'as pas tes petites couvertures ou ton petit chauffage, hein, pour t'affaler devant tes petites séries de Netflix. Moi, j'étais tout seul, à devoir lutter contre ces vagues qui essayaient toutes de me noyer les unes après les autres. Tu sais ce que j'ai fait au début? J'ai compté le nombre de fois que j'ai coulé, en me promettant que j'allais te noyer autant de fois que je coulais. C'est débile, hein? Mais c'est ce qui m'a permis de toujours remonter. Par contre, j'ai rapidement arrêté à force. Non seulement parce que j'avais perdu le compte, mais surtout parce que la colère a fait place à un autre mécanisme. La peur. Pourquoi est-ce que j'avais peur? Parce que je commençais à mourir de soif. C'était hurler de rire, tu trouves pas? À force de me retrouver avec du sel plein la bouche et plein le nez, j'étais complètement déshydraté, alors que j'étais littéralement dans l'eau. Je crois bien que c'est à ce moment précis que
que je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'allais vraiment finir par mourir à ce rythme-là. Tu te rends compte? C'était ça le déclic. C'est quand un de tes besoins se rapproche tellement de zéro qu'il y a une alarme dans ta tête, qui te fout un coup de poing dans la tronche. Soit pour faire couler l'adrénaline à flot dans tes veines, soit pour te faire comprendre qu'elle servira pas à grand chose et qu'il faudrait commencer à te servir de ta tête. J'ai commencé par me déshabiller entièrement, parce que mes vêtements devenaient trop lourds et contraignants. Et à ce stade, tu te fiches pas mal du ridicule ou de perdre quelques affaires. Ensuite, j'ai évidemment regardé partout autour de moi, pour voir s'il y avait de la terre ferme quelque part. Mais même ce bateau sur lequel tu buvais encore tranquillement tes petits cocktails, en draguant des femmes aussi bourrées que toi, et qui te donneraient même pas l'heure si elles étaient sobres, eh ben je le voyais plus. J'avais complètement paumé sa trace. Et ce qui est encore plus cruel, c'est cette impression que des tonnes d'idées se bousculent toutes dans ta tête, comme les enfoirés qui poussent tout le monde pour entrer dans le même métro. Et il faut en choisir une, très rapidement. Et si tu te trompes, c'est la dernière erreur que tu feras de toute ta vie. À force de couler, j'avais complètement perdu la direction vers laquelle j'allais. J'avais plus aucun repère. Le choix que j'ai fait a été de parier sur la chance. Qu'est-ce que j'avais d'autre après tout? Alors j'ai nagé. J'ai nagé dans n'importe quelle direction. Sur le dos, pour économiser de l'énergie. Mais ça me rendait complètement vulnérable à la mer, qui m'attirait vers le fond à la première occasion, vu que je ne voyais rien du tout de ce qu'il y avait devant moi. Sur le dos, on voyait juste le ciel. Cette nuit-là, il n'y avait aucune étoile. Même la lune était absente. Rien d'autre qu'un voile tout noir. J'aurais pu fermer les yeux, que ça aurait même pas changé grand-chose. Mais je sais pas trop pourquoi, mais si je les fermais, je crois bien que j'étais certain de pas les rouvrir. Ce choix m'a coûté très cher. Ça m'a beaucoup mis à l'épreuve. Dis-moi, est-ce que t'as déjà été piqué par une méduse? Ça balance pas de décharge électrique comme on s'imagine dans les films, mais ça t'arrache la peau. C'est comme si tu te faisais brûler par une série de toutes petites griffes bouillantes. Je te laisse imaginer ce que le sel peut faire sur une blessure pareille. Mais le plus pervers, c'est que ça paralyse en plus. Alors, j'ai agi par instinct. Pour me forcer à réveiller ma jambe, j'ai mordu mon auriculaire tellement fort qu'il s'est mis à pendouiller. Je l'avais presque complètement coupé en deux. J'avais perdu plein de sang, et ça commençait à devenir pénible de nager avec un petit bout de doigt qui se promenait, rattaché par un petit filet de chair. Alors j'ai tiré un grand coup pour arracher complètement le reste, et je l'ai mis dans ma bouche pour le mordre. S'il y avait eu des requins dans le coin, je serais pas là aujourd'hui, et tu serais encore en train de jouer au golf avec papa, en m'attendant allègrement les fesses de ta propre cousine. Je t'aurais bien dit d'apprendre la discrétion, si ça servait encore à quelque chose. Je saurais même pas te dire combien de temps j'ai nagé comme ça. Et c'est fou, mais pendant que je nageais comme ça, j'avais complètement arrêté de penser à autre chose qu'à toi. Tout ce qui m'a maintenu en vie pendant ce temps au final, c'était de pouvoir te mettre un torchon sur le visage et de te verser de la flotte dessus. De pouvoir te faire souffrir jusqu'à ce que tu crèves comme moi j'ai failli crever. Oh, tu sais ce qui serait drôle? De l'eau bouillante à la place. C'est ce que je me suis dit. Elle en penserait quoi, ta petite chérie? Et ta petite chérie numéro 2? Non, mieux encore. Que pour te nourrir, je te fasse te manger toi-même. Oh, mais je te soignerai au fur et à mesure, t'inquiète pas. Je vais pas t'accorder le droit de crever aussi vite, mon salaud. Tous les repas auxquels t'auras droit, c'est ta propre chair. À commencer par ton auriculaire, tiens. Comme ça, on serait quitte. Tu serais pas d'accord? Tu vois, c'est cette vision-là qui m'a permis de continuer. Comment est-ce que tu définirais la folie, toi? À partir de quel moment on bascule de réflexe de survie à la folie? À quel moment dans mon histoire tu t'es dit « Là, il est devenu complètement fou » Quand j'ai compté le nombre de fois que j'ai coulé pour te rendre l'appareil? Quand j'ai raconté que je pensais à ma vengeance et à tout ce que je te ferais? C'est sûr que t'aurais préféré que je meure bien gentiment, ou que je pense à des bêtises du style « Non, je ne peux pas abandonner ma famille, j'ai encore tant à accomplir !» Pourquoi est-ce que ce serait tellement différent, dis-moi? L'amour et la haine, on t'a jamais dit que c'était les deux faces d'une même pièce? Je t'ai détesté comme j'ai jamais détesté personne durant ce petit voyage. Mais actuellement,
Je sais même plus si je vais te tuer parce que je te hais, ou si je t'adore parce que tu me sers d'exutoire pour tout ce que j'ai dû contenir. De toutes les directions que j'aurais pu prendre, j'ai eu la bonne. Tu te rends compte de ça? La mère avait décidé que mes épreuves étaient presque terminées. J'ai aperçu de la terre. Mais il a fallu que je fasse encore énormément d'efforts pour longer les énormes récifs pointus qui m'auraient empalé si je m'étais dirigé droit dessus. Alors, j'ai nagé avec plus de rage et de hargne que ce que j'ai ressenti de toute ma vie. C'est fou ce que ça peut déployer comme énergie. À cet instant-là, comme toi maintenant, je me sentais vivant. Plus vivant que jamais. Et après ces innombrables efforts, durant lesquels j'ai autant poursuivi ton ombre que fui la mort, j'ai enfin pu m'écrouler sur la plage. Il s'en est fallu de peu, pas vrai? Si personne m'avait trouvé, t'aurais encore pu t'en sortir. Mais dans ton cas, c'est pas la mer qui choisit quand ton calvaire s'arrête. C'est moi. Uniquement moi. Et tes épreuves sont très, très loin d'être terminées.